Ceci est la dernière œuvre sur laquelle je travaille. C'est une ébauche, c'est pas terminé, je vais y travailler pendant des semaines. On sait que l'histoire de l'art, c'est une série de mouvements. Après la période classique, il y a eu la période qu'on a appelée impressionniste. On regardait le paysage, on mettait l'accent sur la couleur. Un peu plus tard, on s'est excité, on a mis l'accent vraiment sur la couleur elle-même. Ça a donné l'expressionnisme. Mon travail relève un peu de cette école, l'école expressionniste. Bon. Cézanne est arrivé, il a commencé à parler de cubes, de cylindres, de cônes, de cubes. Cela a donné Picasso et le cubisme. Puis ça a continué, puis il y a eu plusieurs mouvements. Et tout ça a fini par l'art abstrait. Et dans l'art abstrait, on a eu même un mouvement dans les années 50 aux États-Unis qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait. Qu'est-ce à dire? Ben, c'est-à-dire qu'on mettait l'accent non pas sur ce qu'on voit dans la toile, mais sur la toile elle-même. En d'autres mots, le médium est le message. On ne regarde pas le personnage. On regarde l'objet en deux dimensions. Vous connaissez tous Jackson Pollock et son dripping. Et tout ça pour vous dire que je n'arrive pas trop à situer mon travail en peinture, mais je suis comme tous les peintres. Je fais dans l'illusion picturale. Je navigue entre le vide de l'art et la vie. Ce que ça veut dire, naviguer entre le vide de l'art et la vie.